Salut les gens, c'est Slan. On se retrouve sur Oxygen Not Included, le DLC Space Out. On va essayer d'aller vite, vite, vite vers la fusée. Mais alors vraiment, hein, ce coup-ci, si je voulais y aller vite avec Volcanea, mais croyez-moi, Volcanea, c'était dur, hein. Les problèmes s'enchaînaient et je devais les régler pendant que d'autres se proposaient. Ça s'est pas passé tout à fait comme je l'espérais. Enfin, ça s'est bien passé quand même, hein. Les solutions étaient bonnes, mais longue et douloureuse à mettre en place. Allez. Il y en a qui veulent aller faire pipi, il va falloir leur laisser l'autorisation d'y aller. Voilà. Démolir ici. Ouais, ils ont du mal à respirer, hein. On est au courant. Alors, on va mettre 8. On va aller jusqu'ici, donc on est bien. Voilà. Liquide, de l'eau, neuf. On voit effectivement plus de bouteilles en train de faire d'oxygène pollué. Et on va devoir commencer à mettre en place probablement la première ferme. Je pense qu'on va la faire là, hein. Cette ferme-là, avec ces produits-là, j'aimerais vraiment bien que ce soit. Je vais la faire plutôt ici. Ou alors, non, je vais faire la. Vous avez raison, je vous écoute, hein. Là, ça va être très bien. Non, ici, là, ça va être long. Il y aura suffisamment d'espace pour moi. Ouais. On va avoir ça. Non, tu annules la construction, tu vas. Dans un premier temps, on va tout faire tomber ici. Va pas s'écrouler, ça. J'ai un peu peur quand même, hein. Allez, venez quand même faire ça. Et celui-là aussi.
Voilà. Une petite alerte à la place de dormir. Ça peut pas faire de mal une fois de temps en temps. La recherche, la recherche, la recherche. On va vous continuer à vous faire rechercher des choses. Ouais, là. Pour aller vers le désodorisant. Non, tout ça, c'est 7. Les portes, c'est ouvrir. Pas la peine de perdre de temps à les fermer. On va avoir un truc ici à faire. Hop, 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 hop. Ça va, tu peux respirer, il est pollué, mais il n'est pas irrespirable, cet oxygène. Ça avance bien hein, comme ça. Ça, c'est du creuset. Alors, on a encore des ressources ici. On va les faire tomber là. Hein. Tout ce qui est là, je vais le faire tomber là sous peu. Tout ce qui sera au-dessus de mon truc d'eau, par contre, pour l'instant, ça va rester là. Ah, là, on a de l'eau. Ah, de la glace. Mince flûche. Alors non, tu vas me bloquer ça pour l'instant. Je vais m'en servir de cette eau, mais pas là. Alors, j'ai pas les murs isolants, donc je fais un petit mur pour isoler un tout petit peu de la température, du froid qui risque d'arriver de là-bas. Bah, Garawan, Garasri, vous. Ah. C'est quoi qui vous embête là? Vous avez pas dormi de la nuit? Ouais, c'est possible, Marc. Bah faut dormir la nuit, hein, en même temps, voilà, hein. C'est manque de sérieux, quoi.
Ici. Je sais que vous voulez aller dormir et vous allez bientôt aller dormir, je vous rassure. Mais le temps libre, c'est pas non plus inscrit dans le marbre, quoi, hein. Allez. Voilà, on est gentil. On va aller voir les compétences des duplicants. Donc, pour commencer, il n'y en a qu'un seul, Garafi. Garafi, pardon. Oups. Transport amélioré. Ravitailler. C'est pas si mal, hein, quand même, plus 800 poids transportable. Mais bon. Allez. Ça va manquer d'un cuisinier quand même, ce soir. Pourquoi tu dors là, toi? Garatou. T'as pas de sens. Non, pas ça. Tout ça, c'est du neuf, c'est parfait, ils se mettent au boulot. Ok. Recherche terminée, excellent. Du coup, la station là. Super ordinateur. Épurateur de compétences, excellent. Pardon, annuler la construction. Hop. Là. Hop là. Continue. Voilà, hop, hop, hop. Et évidemment, on remet. Voilà. Parfait. Famine. Oh, arrête ton chat. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'aller manger, mais ça va aller. Bon, ceci dit, il va falloir se mettre à cultiver très rapidement. Très, très, très rapidement. Ah.
Ah bah non. On va le démolir. Je peux faire tomber ça. On a tellement d'eau là, il y a de la glace hein, qui a glissé, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est même plutôt bien d'avoir accès à l'eau propre. Espérant qu'ils se mettent du bon côté. Voilà, ça fera une réserve d'eau propre. À nouveau, on peut démolir ça. Et nous y voilà. On a fini une sacrée étape. On a fini une sacrée étape et maintenant, c'est la recherche de comment nettoyer cet oxygène qui va nous intéresser. Et on n'est pas loin, puisqu'on est en train justement de le faire. Et juste avant, je vais d'abord avoir besoin de la recherche pour ma ferme. Ici. Alors il y a deux fermes. Une ferme avec la première plante qui n'a pas besoin d'être arrosée puisqu'elle nécessite du soufre. Mais on l'a pas encore. Mais comme ils n'ont rien à glander, ils vont pouvoir aller faire cette première ferme ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept. Seize, ça sera bien. Voilà, hop. 9, c'est pas la peine de faire plus, même pas, même 7, c'est très bien, 7, vas-y, tranquille. Voilà, 7, tu démolis. Pas besoin de se stresser, on a de l'eau, on pourrait ramasser l'eau qui est là, en fait, compte, hein. Comme ça, elle irait être remise là-bas. Pourrait servir pour la recherche. Et ce qui nous intéresse pour cultiver, c'est ces plantes ici. Voilà. Les Splendid Rubric Plantes. Qui vont nécessiter du soufre. Une parcelle agricole. 10 kg de soufre. On peut voir que ça fait 800 kcal. Il en faut 2 par jour par personne. Elles ont 4 cycles. Il en faut donc 8 pour nourrir quelqu'un. Avec 16, on va pouvoir nourrir 2 personnes. Bon, c'est pas si mal, hein. En attendant, évidemment, on va passer à au hachoir à microbes. Activer du gris électrique. Avec à nouveau un générateur, une batterie. Pourquoi il va pas dans son lit, Garatou? C'est trop dur d'aller au lit? Alors le problème, c'est qui va devenir cuisinier?
J'ai vraiment besoin de quelqu'un de plus dégourdi que les autres. Ça va être terrible, on va tomber malade tout le temps là. C'est dans combien de temps ça? 2,26, pas possible. Il me faut un cuisinier avant. 0,000. Donc Garavoine, c'est la recherche. Lui, il est très bon pour nettoyer. En fait, ce qui fait... Il est très bon pour opérer. Là, on a deux excavateurs. Le nettoyeur pourrait être le cuisinier, hein. Ça serait plutôt celui-là. Ouais, mais non, l'opérateur, on a besoin de quelqu'un qui pédale, ça c'est sûr. Garatou, tu te sens de devenir cuisinier en attendant? Voilà, hein. Ça va pas être très bon, hein. Je vous le dis tout de suite. Barre de boue, forever. Consommable, interdiction de manger des barres de boue. Ça n'existe pas encore, c'est ça? Alors, 9, 5 ans pas, l'oxygène il est produit là. Hein. Plus la pression baisse, plus l'oxygène il est produit par l'eau, la terre. Ça n'arrête pas. Et on peut accélérer avec l'outil que l'on a vu. Donc ici, brochette. Les barres de boue, comment je les fais bouillir? C'est pas là-dedans? Ferme hydroponique, synthétiseur d'engrais, station, table d'hôte, grille électrique. Ça n'existe plus? On peut pas les refaire bouillir derrière pour qu'ils soient meilleurs. Oh, dur. On a de la brochette par contre qu'on peut faire. Mais il faut quelqu'un de... Non, je veux pas le démolir. Ne plus annuler la démolition. Il va falloir quelqu'un avec la compétence, par contre. Bah du coup, ce qui est sûr... Le premier qui a une compétence, il va se taper la cuisine. Voilà. C'est peut-être pas drôle à dire, mais c'est comme ça. Où ils sont. C'est ça. Ça va, vous énervez pas. C'était... Oh là, calme. Bon, barre de boue. Force 8. Voilà, on en fait. Il va falloir en faire beaucoup plus que ça. Parce qu'on va manquer de nourriture. Non. 9, celui-ci sera prioritaire aux autres. Voilà. Là, c'est 8-8. La sécurité alimentaire. La barre de boue à peine posée, il m'envoie le tuto sur la sécurité alimentaire. C'est bon, j'ai compris, elle est contaminée. Je le savais un peu, hein, tu sais. Pas besoin de me l'expliquer 50 fois. C'était plus que prévisible. Je vais améliorer un petit peu ma salle ici. Déjà parce que je veux aller chercher ces plantes.
Et puis parce qu'il y a beaucoup d'oxygène ici. Alors pourquoi pas. Et ensuite, parce que je veux les petits bonhommes. Et puis le soufre. Et puis bah, tout ce qui se trouve dans ce coin-là, en fait. Plein de choses. Les crop 0 sur 16, je suis au courant, je suis au courant. Tu manges une barre de boue, toi? C'est bien. Ah non, une brochette. Non, les brochettes, on n'a pas pu les faire. Elle va faire pipi, va faire pipi, vas-y. Cours. Il y a ce qu'il faut quand même. Tu vas quand même pas passer la nuit aux toilettes, hein? Bah, un peu, un petit peu. Bon, là, on va aller chercher de l'oxygène. Et dès que la recherche est terminée, je sais pas où elle en est. Voilà, la recherche est quasiment finie. On va pouvoir poser la nouvelle ferme. Et là, pour le coup, les graines, on en a. On en a 8,24 des graines. Hein. Donc, on est bien là, hein, avec 8,24 graines. C'est un manque de précision. 8,24,76,02, pour être précis. Il en faut 6 par personne pour les pour nourrir les gens. Donc on va faire une truc de 18 ou de 24. Je voulais juste compter. Comment je compte? C'est pas un outil pour compter? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. C'est parfait, absolument parfait. Absolument parfait. Aliments. Ferme hydroponique. Donc, 4, 8, 12, 16, 20. 21, 22, 23, 24. C'est juste parfait, 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 parfait. Faut que ça aère, de toute façon, hein, faut que le méchant oxygène passe. Alors pour le coup, est-ce que je vais pas le mettre un petit peu en mode on a la pression pour aller construire ça? Ça serait possible. Mais l'oxygène d'abord. L'oxygène d'abord, ça plus tard. La recherche. Donc, bah là, on va mettre ça là. Parce qu'en fait, voilà, ça c'est de la nourriture. Voilà. La pompe, c'était pas urgent, urgent à ce point en fait, hein, en vrai. Hein. C'est vous qui voyez, mais ça fait un peu de nourriture, ceci dit. Très bien, un petit peu d'oxygène, ça fera du bien. Là, on va faire des barres. Là, on lance la deuxième ferme. La première ferme, c'est avec ces plantes-là. On en a quand même quelques-unes qu'on va pouvoir aller chercher. Pas beaucoup, en fait, hein. Ici, j'en vois que une, deux, trois graines. Enfin, il y a peut-être des graines ici. De toute façon, il faut les nourrir au soufre, donc il faudra miner du soufre régulièrement.
Donc pour 16, il faudra 160 kilos de soufre. Donc, grosso modo, une case, c'est bon pour 3 jours. 3 cycles. Oui, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. On est au courant. Mais ça se fait tout seul, t'inquiète. Moins il y a de pression, plus ça se fait rapidement. Puis il y en a encore un. C'est bien ça, on voit comment ça progresse le truc. J'aime beaucoup, mais tellement beaucoup leur truc là. Oh non, je voulais pas forcément faire ça à toute vitesse, comme un malade. Calmez-vous. Voilà. Copie les paramètres. Irrigation, oui, tout à fait. Irrigation, c'est en cours. Voilà, 9. Ça, c'est pas prioritaire. On a dit que c'était la recherche 8. On va chercher une autre recherche maintenant. Le désodoriseur. Pour aller nettoyer notre base des mauvaises odeurs. Hop là. Bon, bah, la ferme est au boulot. Elle attend l'irrigation. Ça va pas tarder est en place. Hein. Ça va pas tarder à venir. Par contre, ici, je l'ai fait de 24 x 4. Ça fait 96. Pour une ferme. 96, pile poil. Après, j'ai pas besoin d'utiliser la station de Gredom. Je vais pas faire de fertilisant. Et ça va disparaître vite. On aura nos premières ici. Bon, et mine de rien, cette eau, elle finira par disparaître, hein, parce que c'est 24 fois, je crois que c'est 40 ou 50 kilos d'eau par jour. 40, donc 24 fois 40, ça nous fait une tonne d'eau, une case d'eau par cycle. Ouais, c'est de la violence, hein, quand même. C'est pas hyper durable, mais en même temps, cette eau va pas nous servir à grand-chose. Ah, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'eau pour faire les barres de boue. C'est pas que de la terre. C'est de la terre et de l'eau. Ah ouais, c'est clairement pas possible. Ça va pas durer très longtemps. Et ça, les bug buckets. Est-ce qu'on a un moyen? Les bug jelly. Ah, ok, on peut les cuisiner. Naturellement, ils ont besoin de rien. Et les grapefruits, on peut les cuisiner aussi. C'est très très bon. Allez, un cuisinier. Alors, on a deux personnes. Cuisine, gastronome. Ouais, mais bon, pas terrible pour le reste. Science, efficacité, créativité. Écoutez-moi. Résistance aux germes affaiblie. C'est impossible que je te prenne. On a du charbon.
Il va y avoir le reste du charbon pas loin. Alors c'est bien beau de dire qu'on va faire de l'électrolyse pour faire de l'oxygène, mais il va falloir débloquer l'eau quand même. Hein. Là-bas, on a du saumure. Va falloir qu'on travaille sur sa conversion au saumure. Est-ce que ça peut utiliser de l'eau sale? Non. Bien sûr que non. Télescope. Excellent. Ah, copier, c'était là. Je me disais aussi qu'il y avait un copier quelque part. Les tables d'hôtes. Ici. On va plutôt la mettre ici, la porte. Pas de raison de mal manger. Enfin, on mange mal, mais bien assis. À partir de bientôt. C'est pas encore pour tout de suite. On aura même probablement un petit peu de sel bientôt. Nous y voilà. Bon bah il faut que la pompe marche, hein, donc du coup, go. Hein. Ah, ils ont tous des compétences. Recherche sur le terrain. Oui, ça c'est hyper utile. Gare à tout. Et garasserie, évidemment. Mais il y en a un qui doit devenir grillade. Ça serait gare à tout, les grillades. Voilà, et garasserie, on escave. Gare à force. Bah, dans l'idéal, de toute façon, tu vas prendre ça, hein, comme tu auras tout. Et après, tu feras du bricolage ou de l'élevage. Quand t'as garafi, bah écoute, t'es parti pour nettoyer, tu finis par nettoyer. Hein. Et donc là, on a les grilles. Ah non, on a bien la bouillie de boufrite. Ça y est, elle est là. Et la brochette. Elle est là. Personne n'a le droit de manger des barres de boue. C'est terminé. C'est terminé. Personne n'a le droit de manger du Spindy ou du Belly. Voilà, on fait tout frire. La pompe marche et ça y est, ça pousse. De toute façon, on n'a pas de 9e graine, donc... Ah ouais, c'est de la nourriture, ça, les samphiards. Très très bon. Ben, ça rapporte beaucoup. Succès de la colonie débloquée. Allez, dis-moi ce que c'est pour une fois. Je vais regarder. Bon œuf, obtenir une nouvelle espèce de créature à partir d'un œuf. Ben alors, je sais même pas où elle est apparue, mais je sais ce que c'est. C'est une de ces cochoncetés de Pacou. Tropical. Voilà, j'en étais sûr. C'était un Pacou. On a quasiment que des Pacou. Donc après, il y avait la possibilité que eux, ils fassent un truc, le truc amélioré. Mais pour ça, il faut leur donner du soufre à manger. Et naturellement, ils n'en trouvent pas.
Donc, il y avait peu de chances pour que ça arrive. Ces Sweetles, il y en a plein en fait, hein. On va pouvoir se faire plaisir quand on va les élever. Bah écoutez, nous on va s'arrêter là. Un jour, il va falloir aller voir comment c'est là, ça marche. Et bah écoutez, on va continuer à faire fonctionner notre ferme, à faire bouillir tout ce qu'on peut. On fera des barres de boue tant qu'on aura des barres de boue à faire. La terre, c'est pas un problème. L'eau, ça va être un problème, mais pas très longtemps parce que je vais aller creuser ici et récupérer la glace pour la mettre là. Ce qui va nous rafraîchir un petit peu, certes, mais ce qui va finir par nous faire de l'eau. Alors, c'est très très long à la fonte de la glace. J'avais fait une machine infernale à fonte de glace dans un autre let's play. Je vais probablement pas m'embêter. On va essayer de trouver des solutions alternatives pour avoir notre eau. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.